selon Fernando estime, il garde des positions qui fait quoi que Wyoming a gagné des positions qui différentes par rapport avec le rapport que monsieur dame groupe expert Nations Unies a fait sortir et qui était sanctionné, qui était épinglé, on sait des hommes d'affaires, hommes politiques dans le pays qui t'a financé gang en dans pays d'Haïti, Blaise Peterson, amis internes tout partout ensemble point ça yo, nous pral discuter yo, nous pral faire débat sur yo pour nous connaître et permettre nous yo connaître qui Jean, qui ça qui fait qui ça, pour qui ça qui ça fait qui ça. Bon, on regarde les examens, on s'en a les examens là, sans oublier que Gagné et Borge Lapierre que nous saluer, sans oublier que Gedayou Joseph que nous saluer tout, et Gedayou Joseph que nous saluer, Gagné tout Moïse Gérard que nous saluer, Gagné tout Inancieux Mérilien que nous saluer, et Youser toujours là, et on regarde tout, monsieur. Josason que bon me dit comme ça en même temps tout mais Maron c'est Johnson en même temps tout gagne tout Marie Nosifor que me salier gagne tout Dors et Dorsen François que me salier Gécler Boubou que me salier parmi monde Ricardo Gilo gagne tout Wilner Joseph gagne Alex et Lusma que me salier pour parmi monde que moi salier des Ivenes. Très bien, et on nous salue Christy, et Christy et Prime qui branchent nous tous, nous dit merci parce qu'elle fait choix intelligent de suivre Blaise Info par une nouvelle et Messac Nouvelle. Nous saluons Telius Jean-Baptiste qui toujours branché tout, nous dit merci. Gen Mackinson Joseph qui branche nous Cap Garden, presse charge, nous dit merci. Gen Eddie Clermont, nous dit grand merci parce que il fait choix. Et Messac Nouvelle, Blaise Info, point une nouvelle pour vous suivre. Gen Marie Lou de Deliska, qui branche nous tout, nous disons merci. Et Marie Efienne, qui est toujours branché nous disons ça au gros merci parce que vous aidez. Jusqu'à présent, nous continuons à être à former et informer. Nous gagnons Douyou Joseph, merci en pile. Nous gagnons Borger Lapierre. Grand merci parce que nous faisons choix. Et Messac Nouvelle, point une nouvelle, Blaise Info. Gen et Mavens Charles, qui branche nous tout, nous disons merci parce que vous toujours avec nous, dans toute émission, nous, Blaise Peterson. Bon, j'en ai dit à des Ivenes, il est clair que pour nous garder ça normalement, pour nous dire que, et je dis encore, c'est vrai que nous t'ai parlé de ça dans l'émission matin, hein, par rapport avec les sanctions qui sont sorties, bon, côté département d'État américain, qui annonçait que, et il prend sanction contre trois gros fonctionnaires dans l'État, parce que les trois gros fonctionnaires, parler de un premier ancien premier ministre, c'est on a dit, là, au gouvernement, ben non, pouvoir, lycée deuxième, pigo personnage qui existait dans le pouvoir exécutif, non? Et parler de, des anciens sénateurs, il y a deuxième pouvoir qui existait dans un régime et démocratique dans le pays. Pour me parler bien, pour me dire que, là, parler de Jean-Max Bellerive, qui était premier ministre, sous préval, quoi, de 2009 à 2011, ça veut dire qu'il passe presque deux ans et qui c'est en même temps tout ministre planification à coopération externe, ça veut dire son nec qui passait deux gros ministères et qui dégage deux gros postes l'État dans même. Et pas oublier, on est qui ministre planification à coopération externe, tout ensemble de gros projets, de organismes et ensemble de gros dons qu'il a fait avec Haïti, mais il y a aussi, il y a approuvé, il y a accepté, il y a passé par ministère planification à coopération externe. On est qui passait par notre ministère ça, mais son nec qui frottait, son nec qui connaît, son nec qui a capacité, son nec tout, si qu'elle dit la fête, de scandale de corruption, les capables de faire parce qu'ils ont ensemble de moyens et ont ensemble de corps qui sont capables de passer en dedans des ministères ça à travers des bailleurs de fonds. Mais Vigne Jointou, on est passé comme premier ministre en tête paysan, ça veut dire qu'ils ont leur poste que les permet que capable de prendre des décisions. Et pas oublier que lorsqu'on est en coup Jean-Max Bellerive, monsieur c'était coprésident, mais c'est IRH, ça veut dire que. CIRH, lui montre qu'elle dit clairement que c'était commission intérimaire pour reconstruction Haïti. Et à côté de Jean-Max Bellerive, t'es gagné exactement Bill Clinton, ancien président États-Unis. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, je dis, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a des gens qui ont demandé un règlement de compte sous l'agence CIRH. Qui était là pour te reconstruire le pays hein, après 12 janvier 2010? Et pas oublier, 12 janvier 2010, je dis en là, c'est lui qui bat nous canards. 12 janvier 2010, c'est lui qui bat nous ensemble de Timoun, sans papa. Alors, je ne dis pas papa, mais lui bat nous équipe de Timoun, qui je dis en là, qui la gagne dans la rien. Parce que ça, vous comprenez bien. Après 12 janvier 2010, eh bien, soit en pile place publique, soit place Jérémy, soit Charles de Masse, pour me citer ça ou seulement, mais t'es équipe de Timoun, mesdames.
qui était obligé à dormir en bas de sa yo. Et en bas de sa yo, soit que comité capgé et quand les gars utilisaient bah qu'on est et autorité li moyen li capacité pour capable exploiter ti mesdames yo ben mesdames yo et je dis à pile là tomber enceinte mais tout ça yo tout faut regarder est-ce que l'argent qui t'est décaissé pour CIRH là avec un ensemble de ONG malhonnête un ensemble de ONG qui devine faire capital yo mais qui va venir travailler vraiment pour être capable remettre Haïti sous programme développement je tiens à regarder est-ce que l'agent CIRH là qui a 10 milliards combien de dollars qui t'est décaissé qui t'est de décaissé hein est-ce que l'agent ça l'y reconstruit vraiment parce que t'es un ensemble de gros édifices publics t'es un ensemble de quartiers qui t'est détruit net dans le janvier 2010 par exemple Carrefourfeuille Carrefeuille on a côté qui t'est n'a pas peu de choses Carrefeuille on a côté t'es en pile kawi en pile moun mouri oui jusqu'à ce que me songe Carrefourfeuille en face et gain santé Saint-Gérard qui zone bois l'église Saint-Gérard qui tenait porte 7 à 8 étages l'écrasé plate l'écrasé plate et ben c'est en face santé Saint-Gérard yo t'ai fait ça en force commune puis yo t'ai metté en pile monde qui mourit aux alentours dans Carrefourfeuille là oui est-ce que après 12 janvier est-ce que Carrefeuille reconstruit m'pa croire ça en même temps toujours dit hein on garde tout non. Garde jalousie. Garde comment nèg yo prend jalousie. Desi ba kon sou fè pote pres sou des jalousie. Oui. Le garde jalousie, nèg yo petit remise moun yo jalousie. C'est un côté normalement mais là qui t'écrasé dans 2 janvier tout. Malgré ça nèg bagala comme si reconstruction mais construction jalousie fin tête pi mal lui. Pi mal lui et nèg yo prend l'argent peto caribéen pour tout traverser dans Matéli. Nèg yo pour l'argent yo petit ou équipement kay nan jalousie et yo dé c'est combien millions de dollars oui pour ça donc je dis hein faut d'accord que scandale de corruption li fait nous fait bac scandale corruption qui répète comme en dedans l'état soit de nèg qui dépasser comme ministre comme premier ministre comme président comme sénateur comme député je dis hein faut yo mander au compte faut mander au compte je dis hein et c'est la mier moi-même et c'est pour ça mier des Ivenes. Les invitations. Et dans quatre sanctions qui planaient sous dos Jean-Marc Saint-Belrive, ancien premier ministre dans le pays d'Haïti, ancien ministre planification et coopération externe, que c'est département d'État américain qui publiait non et parce qu'elle était abusé position publiquement dans participer dans activité corruption qui faiblit intégrité gouvernement haïtien pendant il était fait partie du gouvernement ça yo. Comme yon parti nan action sa yo, yo épinglé membre famille et Jean-Marc Saint-Belrive là-dedans yo. Parmi moun ke yo épinglé qui c'est famille et Jean-Marc Saint-Belrive, gen madame li qui c'est Myriam Esteve de Belrive. Li gen petite fille, des petites filles qui grand moun sans doute qui nan gagot l'argent et tout qui rele Diana Belrive ak petite fille Jennifer ak Jessica yo mette non yo Jessica Belrive qui participait nan craser l'argent ak papa yo et soit l'argent CIRH ou bien d'autres l'argent qui était dans trésor public là yo réglé affaire kounye on essaie regarder nan toute l'autre sanction yo les situation nous pas wè que les États-Unis département trésor ou bien département d'état épinglé madame ak petit monsieur nan capage Jean-Marc Belrive qui s'est expliqué que petite li ak madame ni et pratiquement figuré nan sanction que yo qui a pété sous dos Jean-Marc Belrive. Est-ce que nan moment Jean-Marc Belrive il était entendu pour te mettre petite li ak madame ni occupé des gros postes en dedans pays a qui te bal opportunité pour détourner l'argent qu'elle devait détourner ou puis bien et par commande li ensemble des questions ça yo mérité que nous chercher réponse sur yo. Mais gagot corruption qu'a fait yo Blaise Peterson. So je kem di ou, li chita exactement sous trois roches du feu, li pa ka fonctionner si yon pa la. C'est pour ça que nous besoin comprendre ancien président des États-Unis Bill Clinton qui était bon côté Jean-Marc Belrive. Et est-ce que sanctions ça yo en pile moun wè yo comme des sanctions politiques ou comme des sanctions stratégiques que c'est pour question insécurité,
question corruption. Kounye, l'autre question qu'on a besoin de poser. Côté ILCC, dans le cas ça, qui ça qui la cause, c'est le département d'État américain qui sanctionnait Jean-Max Delvive pour corruption. Et nous connaissons, nous avons des institutions, nous avons ICREF, nous avons ILCC qui là, et qui t'a dû mener enquête sur ça qui gagne à ouais avec détournement de fonds, gabegie économique. Tant que ILCC se fait pour quelque entité en dedans pays là, ça qui suscite gros débat, qui permet de gagner un visa négio, selon qu'on ferait nous dans le métronome qui fait qui rend information ça public, ils ont coupé visa monsieur ça ou qui pas qu'à aller aux États-Unis. Ou est-ce des scandales corruption à scandale corruption, sortir non scandale, aller non l'autre scandale. C'est pour ça que nous avons besoin de stabilité à travers le pays. Parce que toute fois que le pays est instable, Blaise Peterson, eh bien, ça qui relève la corruption, là, quand j'arrête en dedans pays. Parce que bien y a des militants politiques qui gardent sous différents rapports, qui gardent sous différentes sanctions, qui rendent que vous avez dans la tête de politique. C'est que sanction pour corruption, c'est des sanctions pour j'arrête avec insécurité, on regarde dans le gouvernement qui là pour nous qui est-ce qui figure là-dedans, est-ce que Mounza yo c'est dessin l'église pendant pouvoir là, est-ce que pas plonger dans des scandales corruption à travers la République? Non mais attendez désir allez bon bon tu vas qui clair ça ou pas la même besoin dit monsieur que quel que soit mon cabisse comprendre alors ou d'après équipe qui là quoi mon tissin. Comme on dit Jésus dans Bokrab, comme je t'ai dit que l'équipe Ariel Henry qui l'a, et l'équipe qui l'a, comme c'est en commission, eh bien, pas oublier. Est-ce que bah nous rapport, est-ce que bah nous détail, sous 3 millions de goudes, que yo te dit que le monté gaz là, que yo prend pour faire apaisement social là? Est-ce que bah rapport sur ça? Est-ce que le pays entre 3 milliards? Mais ça m'a tout. Gagne ODVA, organisme de développement de vallée la Tibonite, qui te gagne en tranche dans comme ça, qui te rive jeune. Et bon, qui a été promettre qui t'a privé jeune ODVA, directeur ODVA mette petit paysan travail, nan fait désherbage, nan fait kirage dans canal, yo pas touché. Ça c'est des gros scandales qui gagne, ça veut dire que entend yo, de prendre comme yo, non couloir pour faire passer dans l'autre couloir pour régler affaire pa yo, qui pas affaire pays à tout bon vrai. Malgré ça ou bien malheureusement, population par grand culture des réductions de compte bon côté en sa monde qui a dirigé. Haïtien presque en général, question rapport sous fonctionnement, chiffre d'affaires avec quel que soit groupe moun qui a traité, li difficile. Sou gen on est au bon business avec en partenariat, ou ta vle quel ennemi ou li pas ennemi ou encore, eh bien, pendant moi, mande le rapport. Automatiquement, mande le rapport, li estime c'est une insulte. D'ailleurs, bam du baye pour qu'on ait tout, majorité, même entreprise, majorité entreprise privée, ou soit comme ça, nous a, yo gen deux cas et comptables. Il y a un cas comptable comme si les agents des GIO venus, ils bali ou dit moins et bien ils ont l'autre. Avait dit bon montre que corruption entre dans l'État, corruption entre dans entreprise privée. Moi-même parler de corruption ensemble de sexe au capre ensemble de monde ça ben dans deux rapports qui a mettez dans de monde ça yo pas que mon cap venir pouvoir qu'il a étudié dans le cap mais quitter pour aller pouvoir ça par là ou parler de combien de corruption d'ailleurs il n'a pas gamme de monde. Ouais, les gens ont pouvoir de transition dans notre pays. C'est dans un moment ça, il y a un pile de contrats signés. C'est dans un moment ça, il y a un pile de bagages livrés qui fait. Ça veut dire que, ou pas quel bagage là, où est là, ou pas, je m'en ai dit, mais tant que vous, les Ariel pas là, les transitions sont pas là, ou pas le temps de quantité de gars qui gagnent. Ou attendez-les-y, on avance. Bon, mais même parce que bataille contre corruption, libre se continuer à tout niveau et à toute rigueur. Quelle des organisations sociales, politiques, il y a besoin de prendre position. Quelle des monde qui, dans la société civile, il y a besoin de prendre position contre ça. Et l'organisation qui a défendu le droit à mon Dieu, ce n'est pas ça qui transforme en organisation politique, qui a pris des positions politiques, au lieu qu'il y a des positions techniques, pardon, qui permettent d'accompagner et monde qui dans les besoins. Malheureusement, en pile, il y a transformé. Je pense que les mérités, chaque Haïtien, tout partout côté, il y a eu de comprendre que bataille contre corruption, c'est bataille, pas yon, pas bataille yon, c'est groupe moun, parce que c'est nous toutes qui victimes des questions gabegie économique, détournement des fonds et que monsieur a fait dans l'administration publique qui permettent que ou même moi-même, lui-même, pas qu'à gagner bon l'école pour nous voir petit nous dans le pays, pas de nek sa yon qui a fait gabegie économique, yon même qui a fait détournement fonds publics, y a voué petit yon dans des grosses écoles
à travers les États-Unis, à travers le Canada, à travers la France. Et yo di ou même qui là et qui était en Haïti, eh bien ou pas appelé pour vivre en un pays parce que ou pas gain formation. Il a préparé ti moun yo qui pour venir remplacer yo ou même qui c'est petite soyette là parce que en pile nan moun yo, maman ou pas de chance, papa pas de chance pour te voyer pour t'aller l'école. Mais yo même, yo arrangé que yo construit petit yo, yo voyer petit yo l'école, boucler et étude classique secondaire et puis continuer à l'université. Dans l'idée que nous avons qu'avine quelque chose dans la société. Mais malheureusement, la question de corruption qui gagne, il met des barrières pour monsieur, dame, pour jeunes garçons avec jeunes femmes, pour décourager, pour ne pas arrêter dans le pays. Bataille contre corruption, il doit une véritable âme pour Haïtiens, pour marcher chercher tout le monde que nous connaissons, qui te fait partie de l'administration publique, qui n'a pas un bon passé, et qui n'a pas entendu pour te délibérer sur le rapport de fonctionnement de l'administration publique. Nous avons besoin de poser des questions pour restituer nos sacs pour nous à travers le pays qui permettent que l'autre Haïti, nouvelle Haïti qui n'a prôné, que nous arrivons jeunes, parce que nous soyons une nouvelle Haïti qui te les pelles des Antilles pour qu'on y a fait le tourner. Pour belle des Antilles, parce que y a volé l'argent dans l'administration publique, il y a six mailles d'armes dans différents coins, à quel coin en dedans pays qui permettent que nous ne pas gagner des mouvements, des soulèvements et des protestations qui ont fait pour questionner sous et ensemble des actes qui ont fait dans l'administration publique là. Ouais, après et ULCC fin essaie donc évaluer quantité scandale qui t'est gagné dans l'ONA. Ouais, à travers diverses régions, à travers pays à Blaise Peterson, ouais, gagné des mouvements spontanés qu'a fait par bureau l'ONA régional pour et soit pour demander matériel de travail. Tant qu'on a Jérémy, il a dit qu'il n'y a pas de machine. Tant qu'il a dit qu'il a fait des demandes de prêt, il a même comme employé qui est dans depuis le mois d'août, il n'y a pas jamais répondu. C'est pas de... Il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a des hommes d'affaires à travers de la République qui ont prêté des milliers et des millions de dollars et, ou bien de goudes pendant qu'il n'y a pas payé. Et si ouvrier qui est dans, il y a pris GA et l'élément de 50 000 goudes, 100 000 goudes prêtés. Il faut faire le virer tourner, il y a des difficultés. Mais même parce que nous devons continuer la bataille. Ça, c'est une plus grosse manche. Une bataille contre les sécurités. L'important à travers la République, Blaise Peterson et les amis internautes. Mais bataille contre la corruption. Et c'est la corruption même qui transforme le pays en guérilla qui a vivre là, côté monde a perdu la vie chaque jour. Si nous entendons, nous permettre que l'union est faite sur ensemble des actes de corruption qui sont faits dans l'administration publique. Et nous avons injecté comme que vous voulez. L'administration publique là pour rendre que pays a toujours été instable pour yo parler devant la justice pour y aller répondre question la justice. Mais même Jean-Baptiste Delrive, Nenel Kassi, Hervé Foucan, trois nouveaux noms ça yo et